Bonjour, c'est Yannick Therrien, auteur de la série de livres « Tout pour réussir ». Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre, le deuxième que j'ai écrit, « Tout pour réussir en famille monoparentale ». D'ailleurs, je vais commencer avec une confidence. Mon seul regret dans toute la série de livres que j'ai fait, c'est d'avoir intitulé ce livre-là « Tout pour réussir en famille monoparentale », alors qu'il aurait dû s'appeler « Tout pour réussir en famille recomposée ». C'est le même contenu, mais le titre est frais. Je me souviens des gens qui disaient « Oh non, moi je suis pas en famille monoparentale, moi je vis avec quelqu'un d'autre ». C'est les mêmes trucs, la même philosophie qui s'applique. Moi, j'ai la particularité d'être un des premiers pères au Québec, je ne veux pas dire au Canada, qui a hérité de la garde à temps plein de sa fille alors qu'elle avait 2 ans. J'ai eu une séparation difficile, j'ai dû à composer et recomposer avec une famille par la suite parce que, bon, on rencontre quelqu'un d'autre, qui a des enfants, et ainsi de suite. Ça fait des situations qui sont très, très complexes. Et en plus, moi, j'étais à une période de ma vie très vulnérable. Je venais de perdre mon emploi. J'essayais de jumeler 2 familles. On avait des règlements différents. En tout cas, tout ça survenait au même temps. C'était une pression énorme alors que j'avais un petit bébé de 2 ans. Et je vois encore aujourd'hui trop souvent des familles qui sautent vite dans la même maison pour habiter ensemble et jumeler toutes les familles, en plus du stress d'apprendre à se connaître et apprendre à se découvrir, tout ça. Alors, à force de détermination, de créativité, ben, j'ai développé des trucs, des activités, des techniques pour gérer mon horaire, les crises, les conflits avec mon ex, comment trouver l'équilibre entre la famille et le travail, évidemment, parce que c'est pas parce qu'on a une séparation qu'on peut rien mettre sur hold, là, en attente. Il faut s'occuper de tout. Alors, comment trouver l'équilibre dans tout ça? C'est un beau cadeau à vous faire si ça vous concerne ou à faire à quelqu'un que vous aimez qui est dans une situation similaire. Je vous invite à commander en toute sécurité, en toute confiance, parce que c'est garanti que vous allez être satisfait. Sinon, on vous rembourse. Alors, je vous souhaite une bonne lecture, bon achat et on se reparle bientôt.